Nous avons été propriétaires de cette péniche depuis 56. Et nous avons été à peu près dans tous les canaux de France et de la Belgique et de la Hollande. Nous avons transporté un peu toutes sortes de marchandises. De la houille, du charbon, des briquettes, du blé, de la farine, du sucre, des ferrailles pour Lyon, de la Moselle. D'après mes calculs, enfin, qu'ils ont été faits, nous avons transporté 100 000 tonnes avec la péniche en 36 ans de travail, qui représente 400 voyages. Ça nous est une moyenne de 1 000 km en 16-17 jours de temps, avec 260 tonnes à bord. Pas compter les écluses. Oh, les écluses? Non, j'ai pas compté les écluses. Il fallait compter entre le nord et puis Lyon, 300-350 écluses. Je vais mouler encore. Principe, il faut toujours être à deux, soit un commis, hein, ou l'épouse. Mais en principe, c'est mieux une épouse, parce que le commis, ça va pas toujours, hein. Et qu'une épouse, quand on est déjà marié depuis une paire d'années, au début, ça a toujours été bien, de toute façon, hein. On se dispute pas, ça a toujours été impeccable. Elle s'occupait de l'arrière ou de l'avant, au bateau, c'était l'un ou l'autre. Mais la femme au bateau, enfin l'épouse, elle a plus de travail que l'homme. Parce qu'elle s'occupe de la lessive. Quand elle a les petits-enfants, elle s'occupe des enfants. Le mari conduit, elle s'occupe de l'entretien du bateau. De temps en temps, il donne la coup de main aussi à faire la vaisselle, la nettoyer, hein, forcément. Mais l'épouse a beaucoup plus de travail, il faut que ça fasse à manger. Et moi, quand j'arrive à une écluse que je conduis, j'appelle ma femme. Tu viens, chérie? Viens me donner un coup de main. Quand on arrive à un port, si on vide un vendredi à 5 heures de l'après-midi, le collègue qui est arrivé le samedi ou le dimanche qui vide que le lundi, on va se mettre en tour à la bourse à Saint-Jean-de-Luz ou à Lyon ou à Chalon, hein. Et bien c'est lui qui se trouve à l'arrière de moi. On a un tableau noir avec les transports dessus. S'il y en a qui nous intéresse, moi par exemple, il m'appelle le premier, hein, avant lui, je prends le transport. S'il ne me plaît pas, je le laisse. Quand il est appelé à son tour, ça lui plaît, ben il prend. Puis moi, j'attends la séance d'après. Donc c'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Mais à l'heure actuelle, il n'y a plus de bureau d'affrètement. C'est des compagnies d'affrètement qui. Alors maintenant, les bateliers, ils ont tous leur téléphone à bord. Ouais, téléphone portable. Et ils appellent les affrèteurs. Est-ce que tu as quelque chose? Il y a ça à faire pour tel endroit. Il prend. Si ça lui plaît pas, ben il attend ou alors il téléphone à un autre.
Des grosses péniches partaient presque chaque semaine, surtout l'été, parce que l'hiver, il y avait problème du gel. Des péniches qui emmenaient entre 280 et 300 tonnes de marchandises chaque fois. Et c'était un travail très pénible parce qu'au début du chargement, il fallait se faire passer les produits, les faire sauter d'un gars à l'autre parce que ça faisait quand même 2 mètres 50 de profondeur, sinon 3. Et au bout du sixième jour, on voyait finalement une grosse pile de marchandises. Une petite anecdote, là, un jour avec Jean Roux, qui était maire de Roanne à l'époque, qui l'est toujours d'ailleurs, on a reçu un avis de la préfecture qu'on pensait faire du canal une voie rapide, Roanne-Saône-et-Loire. Alors tout le monde a poussé des hauts cris parce qu'on tenait à notre canal. Parce que le canal sert non seulement au service navigation, mais il sert aussi à l'irrigation. Alors une péniche se conduit comme n'importe quel bateau dans la mesure où on considère qu'il n'y a pas de frein et que ça ne va jamais droit. Donc conclusion, si vous pilotez un bateau comme on conduit une voiture, vous avez des chances d'avoir des problèmes. Parce qu'un bateau se pilote en deux phases. On estime en rapport à ce que l'on veut faire ou ce que l'on doit faire et on anticipe sur toutes les manœuvres. Conclusion, un bateau comme celui-ci, comme l'infatigable, hein, qui pèse 120 tonnes, imaginez que je le mette au point mort, comptez environ 250 mètres pour qu'il s'arrête. Donc je ne vois pas l'avant du bateau, donc au centre du bateau à l'avant, il y a un mât avec un drapeau, ce qui représente mon viseur, c'est le principe du tir à la carabine. Donc le principe de pilotage du bateau, c'est l'axe du bateau, donc mon mât, dans l'axe du canal, tout le temps, à chaque instant. Donc la vitesse sur les canaux est limitée pour tous les bateaux à 6 km/h, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une tolérance à 8 pour les bateaux de plaisance. La raison principale à l'origine était pour la protection des berges. Mais moi, pour moi, la raison principale, aujourd'hui, c'est la sécurité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez cette péniche, l'infatigable, à 94 ans. Ce qui m'amène souvent à dire qu'un bateau, ça ne s'use pas, ça s'entretient. Regardez, j'arrive à le repeindre entièrement une fois par an. Quand un bateau vient de la direction de Brienon pour aller sur Roanne, donc il vient de Laval pour nous et il va sur l'amont. Donc dans un premier temps, on vide le sas de l'écluse en ouvrant les ventelles sur les portes aval. Quand le sas de l'écluse est au niveau du bief aval, on ouvre les portes aval. Le bateau entre dans l'écluse, il s'amarre, on referme les portes. Puis on ouvre des vannes à l'amont pour remplir le sas de l'écluse. Et quand le sas de l'écluse est au niveau du bief amont, à ce moment-là, on peut ouvrir les portes amont. Et le bateau, on peut libérer le bateau du sas. Le canal a été construit de 1832 à 1837. Les écluses ont été agrandies, mises au gabarit Fraissinet à la fin du 19e siècle. La maison éclusière a été construite à cette époque puisqu'il est gravé sur une pierre au-dessus de la porte d'entrée 1837.
Je me souviens que maman disait à l'époque qu'elle éclusait par jour 30, 40 péniches. C'était quand même assez important. Et il y avait, j'ai vu des péniches tirées par les chevaux. Et ça, c'était quand même incroyable. J'en ai vu quelques-unes. Et c'était pour moi hallucinant parce que les chevaux arrivaient à l'écluse et ils étaient nourris. Et il y en avait très peu, mais il en restait quelques-unes. Et après, il y en a eu quelques-unes qui étaient tirées sur le chemin de halage et elles étaient tirées par des tracteurs. Alors ça, les tracteurs, déjà, ça faisait un peu spécial parce que bon, le tracteur, il était imposant, il faisait du bruit. Il fallait détacher la corde d'amarrage avant l'arrivée à l'écluse. Enfin, c'était quand même assez impressionnant. Moi, j'en ai un souvenir vraiment fort. Il y a une anecdote importante aussi autour des mariniers et donc de ces messagers, puisqu'ils viennent de loin, ils venaient soit de Belgique, ils venaient également de Hollande. Et c'est vraiment, quand on habite dans un tout petit village comme le mien, ça faisait vraiment des lointains voyages. Et c'est vrai qu'ils transportaient dans leur soute quand même des produits intéressants du style des bananes. Donc à la maison, on était fournis en bananes. On était également fournis en café. Donc le café arrivait vert et on le torréfiait nous-mêmes. Et ça, c'était vraiment des souvenirs quand même assez intéressants. Et de notre côté, nous, on avait un énorme jardin, puisque il faut reconnaître quand même qu'à l'époque, éclusier, c'était pas une rente. Hein. On avait une maison, certes, mais les salaires étaient quand même moindres. Moi, je me souviens qu'on n'était pas riche à la maison, donc on faisait un très, très grand jardin. Et on vendait, pas très cher, mais on faisait du troc, quoi. On appelait ça comme ça. Hein, c'est un système de bon échange, mais on amenait des produits frais. Donc ça pouvait être des carottes, des pommes de terre, des salades. On avait quelques lapins, des œufs frais, choses et autres. Donc tout le monde, des mariniers et des éclusiers, avait entre eux des paroles non dites, quoi. C'était presque des gestes ou des regards comme ça, complices. Et c'était assez rigolo à voir, quoi. Et ça, tout ça aussi, c'est quelque chose de très important autour du monde du voyage, quoi, sur l'eau.